un an après, je ne sais même pas comment raconter ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire l'histoire que ce groupe de New Wave de mon adolescence avait esquissée, à entreprendre une fresque historique qui mènera mes personnages de Yekaterinoslav dans l'Ukraine de 1904 jusqu'à l'exposition internationale de Lyon juste avant la Grande Guerre, en passant par Odessa, Constantinople, la Vienne sémillante du début du siècle, puis Paris, Lyon, Saint-Étienne. Les Krait et les Bolotnikin vont quitter la fonderie du bord du Dniepr à contre-cœur, fuyant les massacres qui naissent à Gomel, à Minsk. Ils vont quitter une vie qui ne veut plus d'eux sans savoir si celle qu'ils vont trouver les acceptera tels qu'ils sont. Comment suis-je allé jusqu'à m'approprier leur histoire à ces musiciens que je ne connaissais pas personnellement, qui ont dû sourire dans un premier temps, puis se dire que finalement, si j'allais au bout, ils pourraient eux-mêmes la ramener sur scène, cette petite égérie qu'ils ont délaissée 30 années durant. Moi, c'est 10 ans qu'il m'a fallu pour qu'il existe ce roman sur l'identité, l'exil, la judéité, sur les lâchetés et les résistances aussi, sur le prix à payer des existences qui se bousculent. Je ne l'ai jamais lâché, Aurélia, en l'écoutant d'abord, toujours, sans discontinuer, puis en la livrant au sens propre, en même temps qu'ils la faisaient revivre de leur côté. Ils n'ont jamais cessé ces pans de sa vie et de la nôtre, le cœur en croix, Arcos, les jardins d'Ellington. Ils renaissent, et dans 30 ans, quand on ne sera plus là ou presque, Aurélia continuera d'exister. C'est sa revanche sur le temps. Se pourrait-il que cette petite fille incarne la partie d'elle-même arrachée à sa culture? Deviendrait-elle, comme cas d'école, la représentation d'une ukrainité qui n'aurait pas eu le temps ni le loisir de prendre corps en elle? Les visions de sa fille que Olga lui avait concédées, se pourrait-il qu'elle l'ait déterminée avant même que ce fût possible? Après tout, puisqu'Aurélia absorbait toutes les pathologies qui l'entouraient, était-elle allée jusqu'à intégrer le complexe d'infériorité que son père avait eu, sans l'avouer jamais? Ressentait-elle sans pouvoir y mettre de mots les questions de ceux qui ont changé de classe sociale en ayant le sentiment d'avoir abandonné les leurs? C'était...